La salle de conférence de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, pleine à craquer. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, Dosso Moussa, va procéder à l'installation du président du conseil d'administration et les membres des organes dirigeants de la MUGEFSI. Élu à l'Assemblée Générale de la Mutuelle le 28 juin dernier, Soro Mamadou et son équipe vont désormais assurer leurs fonctions. Le gouvernement porte à la connaissance de l'ensemble des mutualistes et de l'opinion nationale que les organes dirigeants issus de l'Assemblée générale extraordinaire de la MUGEFSI du 28 juin 2013 prennent fonction à compter de ce jour 17 juillet 2013. Le gouvernement demande aux nouveaux membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de garder le cap tracé par le comité de gestion en faisant de l'intérêt du mutualiste l'épicentre des préoccupations de la MUGEFSI. Une lourde tâche, selon Soro Mamadou, le nouveau président du conseil d'administration de la MUGEFSI. Mais pour lui, c'est un défi à relever pour le bien-être des mutualistes. Nous nous engageons effectivement à consacrer au moins 80% des cotisations des mutualistes aux prestations et inversement donc à ne pas dépasser la limite de 18% pour les frais de fonctionnement et de gestion. De faire la promotion de la bonne gouvernance et surtout du contrôle que nous allons instituer à l'intérieur de l'institution. Le mandat du conseil d'administration va durer 4 ans, une période durant laquelle 276 000 mutualistes cotisants devront bénéficier des prestations et soins médicaux appropriés.